processus de fabrication de la bière avec le maître brasseur Pierre Mathieu et avec Vlad, on va en parler. Et quand on vient donc déguster, on peut avoir accès à cette fameuse palette de dégustation qui met en vedette tous les produits. Alors, on va se les présenter. Et là, on a entre nos mains une bière qui est de couleur très foncée. Et ça, ben, c'est pour aller avec la fameuse tourtière du lac Saint-Jean. La fameuse tourtière du Saguenay. Même. Aussi. Aussi, oui. Donc, je t'ai servi la brown ale américaine. Et puis, c'est comme ça qu'on a voulu voir notre établissement. C'est un laboratoire de bière, un terrain de jeu pour la bière. Tout ce qui était possible et impossible à faire, c'est ici qu'on veut le faire. Mathieu, parle-nous de houblon. Démystifions le houblon. Le houblon, c'est l'épice traditionnelle de la bière. Il y a beaucoup de variétés dans le houblon. Il peut y en avoir peut-être une centaine, 200. Il y a du hybride, sauvage. Le houblon épice la bière, donne les arômes de la bière, donne l'amertume de la bière. Et donc, ça veut dire qu'on va retrouver le merveilleux goût du café amalgamé avec, évidemment, une Imperial Stout telle qu'on la connaît, donc une bière qui est noire, assez riche habituellement. Ça va être riche pas mal parce qu'on parle quand même d'une bière à 10%.